Bien, c'est le tout, c'est Demi, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui sur Homecity 2 pour une nouvelle vidéo. On est aujourd'hui sur une nouvelle map et pour un service un peu spécial, puisque nous serons là aujourd'hui pour une ligne scolaire. Ça me fait très plaisir de vous retrouver là-dessus aujourd'hui, les amis. En deux parties, donc on va faire le service du matin, qu'on va faire tout de suite, et ensuite on fera un service de type après-midi, hein, voilà, après-midinal. Hein. Comme matinal, il y a pré-midinal, hein. je viens d'inventer ce mot. Et donc voilà, deux parties, deux quarts différents, on commence en Erasmus Axer, on terminera avec un petit récréo. Voilà, plutôt sympathique. Voilà, on est sur la map Aubert, Bucholz, machin, Rilo Hadid. Alors, je vous mettrai tout ça sur le site parce que c'est pas très très facile à comprendre, hein, la prononciation, hein. Je veux bien comprendre que ça soit pas facile à retrouver. On va y aller tout de suite parce que on va partir d'ici quelques instants, les amis. Donc on va démarrer, on va repasser à l'intérieur, on va reprendre le contrôle de Manfred, voilà, et on est parti. Alors ligne scolaire, donc on va mettre le petit truc scolaire, la petite pancarte scolaire. Ma girouette ne va pas marcher parce qu'il faut on a une girouette buse là, et je n'ai pas le point off adapté pour cette map. Par contre, dans la deuxième partie où on sera en récréo, on n'aura plus besoin... d'un point off bus, donc là au final ça marchera très très bien. Nous sommes à un endroit de l'hub qui est assez critique, hein, ça lag beaucoup ici. On est sur Homecity, on connaît bien, je suis en train de capturer, on connaît aussi, donc c'est un peu compliqué, voyez-vous. Il y a du people, hein, comme vous le voyez là, hop, il est l'heure de partir. On commence à, ça commence à clignoter à côté là, hop, je vais me mettre comme ça, et c'est tout ce petit moment monté. Voilà, vous voyez, je suis le bus qui est en train de clignoter. Peut-être un ticket là, madame. Tu veux un ticket là, madame? Tu veux un ticket? Alors non. Voulez-vous quitter Homecity? C'est pas une bonne idée. Quitter, contrôle T, shift T. Voilà. D'accord, je t'ai pas laissé le temps de prendre. Y'a pas de soucis, ma chérie. Allô. Allô, allô. Voilà, on va le faire dans le bon ordre. Avec tout ce petit monde là, moi je vais déjà finir à la bourre. Là, vous allez arriver en retard à l'école. D'ailleurs, c'est pas la peine de me payer. Hein. Vous allez à l'école, c'est gratuit. Hein. Allez, allez, allez-y là, c'est le conseil général qui paye. Allez, allez. Et c'est d'ailleurs, ils recrutent de plus en plus vieux. Il y en a qui ont un peu trop redoublé là. Hein. Je veux pas dire, je veux pas faire la mauvaise langue. Hein. Mais bonjour. Allô. Ah ben voilà, ça c'est des élèves normales. Parce que là, les deux là, mais pas me dire que là il n'y a pas un petit problème dans l'éducation nationale quand même. S'ils redouble autant que ça. Quand même. Allez, allô, allô, allô. Oui, oui, bon, allez, mais merde. On se dépêche, allô, Marcel. Oui, alors, oui, oui. Voilà. Good morning. Bonjour, bonjour. Tenez, ça me fait plaisir, voilà. Allez. On passe la carte, on se dépêche. Allez, voilà, voilà. Disons, mais il y a un monde là. Mais attendez, mais il n'y a pas tout le monde qui va rentrer là, les gars. Faut arrêter de déconner au bout d'un moment là. Vous allez tous être debout, vous allez pas comprendre là. Oh là là, allez, mamie. Et moi, ça, moi je suis à la bourre là. Voyons, il est quelle heure? 7h36, punaise, je suis censé partir à 35 moi. Eh ben, dis donc. Elle est belle la France. Bah oui, bah oui, allô, allô. Donc là, c'est un petit départ, en fait, c'est une petite ligne directe, en fait, qui relie la gare régionale à ce que l'on appelle une école ou un lycée, je sais pas exactement, un collège. C'est peut-être les trois à la fois, d'ailleurs. Et donc, voilà. Oui, oui, bonjour, bonjour, allez, allez. On se dépêche, on court, là, on va être en retard en cours. Beaucoup de cours, tout ça, ça, on laisse fermer, voilà. Ok, très très bien, on va essayer de dépêcher, voilà. Et on y est parti. Parce que là, faut arrêter de déconner quand même. Hein. On n'a pas le temps de niaiser. Oui, non. Alors ça, c'est pas pour nous. J'étais censé passer à une. Je sais pas laquelle c'est, mais bon. Vu que sur la liste des arrêts, il y en avait une. Mais alors, c'était peut-être avant. Je ne sais plus. Mais on n'est même pas à notre ligne. Elle est même pas écrite dessus, là. Enfin, c'est quelque chose, ça. Hein. C'est quelque chose, c'est quelque chose, hein.
personnel. On va y aller tranquillement, on va pas les secouer. On va regarder un peu à quoi ça ressemble là, parce qu'on était quand même bien chargé. On va regarder si ça s'en sort à peu près bien. Comment que je peux voir? Ben voilà, non mais il y a pas beaucoup de places qui sont libres. Hein. Autant vous le dire. Allez, alors attendez, que je me repère, on est où là? Oui, d'accord, ok, pas de soucis. pas de soucis. C'est après la madame. On va ne pas couper la route à cette dame-là. Voilà. Hop là, et dès qu'on va s'éloigner un peu de la ville, on va pouvoir respirer un peu les FPS là, parce que là... Oui, je t'ai rien fait là. Une accélération un peu trop... Non, quand même pas. Hein. Pas déconner non plus. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est un truc que j'aimerais vraiment ça dans MC, et je sais que c'est un peu le cas de tout le monde. On aimerait tous pouvoir faire des petites lignes scolaires comme ça, qui soient vraiment des lignes scolaires. Le fait est que, en l'occurrence, sur MC2, c'est pas vraiment le cas, hein, puisque on a des lignes scolaires. Enfin, on peut pas avoir uniquement des passages à enfants, quoi. Donc on est obligé de se cogner là, tout le petit monde, toutes les vieilles et tout ça, et Manfred, etc. là. Donc c'est un peu... ça c'est un peu relou sur ce point, hein, on peut se le dire. Mais néanmoins, on a quand même des petits trucs intéressants qui arrivent petit à petit. On avait par exemple avec Styris du Saxer, que l'on adore, on avait voilà cette possibilité-là de mettre le petit panneau comme ça et de l'enlever. On a des véhicules, on a des livrets, on en prendra après, qui sont des livrets scolaires, voilà. Donc il y a des petits trucs comme ça qui sont déjà un peu mieux. On a des maps bah, comme celle-ci, qui contiennent des livrets scolaires, puisque ça c'est une vraie ligne scolaire, voilà, qui relie la station RER au lycée, en gros, hein, c'est un peu l'idée du truc, donc voilà. Décidément c'est quelque chose les FPS, hein. Hop, nous c'est tout droit, c'est bien ça, la ligne n'est pas très compliquée, hein, donc ça devrait aller. Donc on va faire voilà, la ligne du matin et la ligne du soir. Retour dépôt, tout ça, on va voir un peu comment ça se passe niveau timing. On va voir est-ce qu'on les fait tous ou pas. Est-ce qu'on fait juste un retour dépôt et pas après le départ du dépôt jusqu'au début de... Enfin, pour revenir les chercher le soir. Voilà, on va voir un peu comment ça se passe. En fonction du timing. Voilà, voilà. On va voir tout ça. Là je peux rouler ça à 80 la fois. On va écraser un peu le champignon, hein, parce que bon, c'est pas qu'on était à la bourre, mais bon, on n'était pas en avance non plus, quoi. Ah bah tiens, ça repasse à 50. Ça repasse à 50, alors attendez là. Et ouais, faut tourner, c'est bien ça. C'est bien ici, c'est bien ici, c'est bien ici. Hop. Il y a eu le petit moment de doute, hein, vous l'avez senti, alors on va s'arrêter au petit stop. Punaise, ils peuvent pas faire les mêmes trucs partout là, avec des lignes complètes pour les stops là, ils peuvent pas faire comme en France, c'est pas possible ça. Ah oui, je te jure. Ah là là. Bon, du coup, c'est une ligne qui doit être en Allemagne, hein, une map qui doit être en Allemagne, je pense, hein, vu le nom. Bon, si c'est pas en Allemagne, ça doit être en Autriche ou par là, hein, on doit pas être très très loin. mais voilà, donc Betweeps up. Oh, je voulais faire avec un accent anglais, c'était mignon. le dépôt, voilà, qui est juste ici, avec les véhicules des collègues, et le lycée qui est un peu plus loin, voilà. Lycée, école, encore une fois, je ne sais pas, et voilà. Ah, peut-être que c'est écrit en allemand et que je sais pas le lire, hein, mais ouais, comme dit, je sais pas le lire, donc je ne le saurais point, voilà, s'il y a des Allemands dans le chat, hein, dans les commentaires du coup, on est pas vraiment en live, hein. Ça peut être intéressant. Alors on va voir si on va croiser des collègues. Je sais pas s'ils ont mis genre un petit truc d'heure de pointe où il y a toutes les lignes qui se rejoignent. C'est pas vraiment le cas en réalité, je le sais. Mais peut-être qu'on va quand même croiser un collègue, un truc comme ça, on verra. En fait c'est un peu compliqué parce qu'il y a vraiment très peu d'arrêts. Hein. C'est-à-dire que là on va arriver, il va y avoir deux arrêts, un terminus et un petit départ pour le ramassage en fait. Donc voilà. C'est compliqué de foutre plusieurs services en même temps, du point de vue d'Homsi en tout cas là-dessus. C'est un peu compliqué. Alors nous on doit d'abord... Alors ça aussi c'est un bordel mes chers amis. Hop.
Oh là là. Boum. Vous allez voir comment ça va bouger, là ça va foutre la gerbe. C'est d'abord. Ah mais c'est pas passé. Ah non si, Hostig et après Terminus. On va d'abord tout droit. Einstig ou Hostig, c'est pareil. On va d'abord là-bas et après il faudra qu'on revienne se mettre sur le côté sur le Terminus. Là où on est censé... Enfin, c'est un bordel. Hein, parce que le soir, il faut qu'on revienne d'abord au Terminus. C'est pas là où on récupère les passagers. Et après qu'on revienne à l'autre... Maman, c'est un bordel, ça. C'est un bordel, je te raconte pas, quoi. Mais voilà. Écoutez, on n'a pas le choix, hein, sinon il va pas nous valider notre service, le petit, là. Donc on l'écoute, on ferme sa bouche. Voilà. Hop. Hop là. Donc là en fait il n'y a plus personne parce que vu qu'on est un peu à la bourre, tout le monde est déjà rentré en cours. Voilà, c'est la petite explication. Hein. Tout à fait rationnelle. Y aller. Ah oui, oh, alors là on est pas mal les amis parce que, oui, alors sur MC2 du coup il y a tous les passagers qui s'empilent pour sortir. Hein, c'est pas un truc sexuel du tout, mais vraiment. Non, ils sont tous, il y en a je sais pas combien les uns à travers les autres. Voilà. C'est MC2, voilà. Voilà, j'ai ouvert la petite trappe de toit là. Hop, on va mettre comme ça. Voilà, ça me fait plaisir. Allez, on va laisser tout ce petit monde descendre bien tranquillement. Et puis nous, on va se barrer, se casser, se faire la malle, prendre la poudre d'escampette. Voilà. Direction le dépôt qui est pas loin, vous l'avez vu. On va pouvoir donc passer tranquillement le reste de la journée à se siroter. J'enlève le truc scolaire. À se siroter. Ah non, il faut quand même qu'on aille faire pour valider le service. On va aller valider le service parce que sinon ça va nous enquiquiner. On va aller le valider ce service. Comme ça on sera tranquille. Voilà. On passe au truc. Du coup il va pas me le valider non plus. Alors est-ce qu'il fallait y aller dans l'autre sens? Je sais pas. Non, il fallait y aller dans ce sens. Me valide. Oh, s'il a pas envie, c'est pas grave. Les passagers ils sont descendus. Hop, c'est validé. Direction le dépôt. Hop. Ah, c'est vachement cool, hein, parce qu'on a vraiment un bel angle mort là pour ceux qui arrivent derrière nous. Mais c'est pas grave. On me dira, on aurait pu passer la journée là. Là, t'arrives avec ton transat, ta petite tapillon, tu peux y passer la journée ici. T'es bien tranquille. Voilà. Ah, vous me direz, moi je pourrais repartir à l'école, ça me ferait pas de mal. Hein. Ça lui ferait pas de mal aux essais. Rattraper quelques petits cours de français là, hein, voilà. Et je vous jure, mais non, je connais le français, voilà, je suis en Baudelaire, tout ça. Mais je vous jure. Hop. Attention. Y'a pas le collègue qui arrive comme une gueudin. Ça, j'en ai connu, hein. J'en ai connu des... quand j'étais au lycée. Pas au collège. Au collège, c'était un peu... Si, quand même... non, au collège, ça allait. Au collège, c'était assez calme. Au lycée, par contre, des chauffeurs, c'était des gros gueudins. Tu vois, les autres chauffeurs, ils savaient qu'ils devaient laisser passer, tu vois. Ils savaient, hein, parce que sinon, ils savaient pas s'ils allaient rentrer avec de rétroviseur, tu vois. Il y a un endroit un petit peu étroit dans la ville où il y avait les cars qui se croisaient parce qu'ils sortaient en décalé d'un collège pour aller à un autre, etc. C'était un peu un bordel. Il devait se croiser à un endroit un peu serré. Et je peux vous dire qu'à mon chauffeur, on était prioritaire. Hein. Il avait pas le souci. Il avait pas de souci à te faire. Hein. Il laissait tout se passer. En tant que tu es la toutie du chauffeur. Hein. Mais non, oh là là, on arrête de juger, mon zézé. Non, mais bon, c'est pas ça. Non, mais bon, je sais pas s'il fumait pas un peu, tu vois. Voilà, bon. Il était un peu space. Voilà. Il était un peu pied au plancher aussi, voilà. Accessoirement. Alors, on va se caler... alors attendez, on va se caler juste ici. On va se mettre là. Voilà, ça me fait plaisir. On va se mettre là. Hop. Bam bam. En plein milieu, voilà. Je me casse. Et moi, je vais descendre, je vais prendre ma petite pause, là. Hein. Et puis, on se retrouve ce soir pour la suite du ramassage. Eh, à tout de suite. Je monte au ciel, y aura
Ok, bon, bah, après une petite journée plutôt pépère, hein, j'avais rien aujourd'hui. Hein. Pas de quelques petits nains portés à la piscine, que dalle. Donc on se retrouve maintenant du coup en Erisbus Recreo, un petit vieux de la vieille, hein, comme on dit, mais celui que tout le monde quand même a eu l'occasion de prendre d'un point de vue scolaire. Hein. Donc voilà, on est parti avec. Alors celui-là, on a le volant avec le logo Renault, mais bon, on connaît. Hein. Sur MC, il y en a pas mal, il y a des déclinaisons, des machins. Il y a du choix. Hop, voilà. Donc on va partir avec ça, ça c'est très bien. I release the parking brake. Alors est-ce qu'on va être un peu en... Je pense qu'on va manquer un peu de pression pour commencer. Alors, on va voir. Bon, au moins il avance, c'est déjà pas mal. Hein. Il y a quand même un peu de pression. Il y a quand même un petit collègue qui nous l'a fait chauffer avant. C'est sympathique, on apprécie. On apprécie. Puis on est parti, donc direction le lycée cette fois-ci. Pour faire bah, du coup le ramassage scolaire, mais du soir quoi. On va les ramener chez eux, on va les ramener en tout cas à la gare. Et voilà. Alors mon petit Zézé, t'es bien sympathique, mais on va quand même faire les choses un peu plus proprement. Hein. Je sais quoi, on va carrément reculer, on va carrément se mettre bien, parce que sinon, bah t'es bien sympa, mais tu vas rien y voir pour t'insérer, hein, et tu vas faire des conneries, hein, on te connaît. Donc on fait les choses comme il faut. Bah déjà j'y vois rien quand même. Attends. Ich, j'y vois un peu là. Hop, gauche-droite. Et on est parti. Hop. Oh punaise de sortie, mais c'est pas possible. Ich. Ah mais tiens. Oui, une voiture. Ah ben m'a traversé en plus. Eh. Aujourd'hui on a dû. Ça laguait tellement les amis. On a dû enlever les collisions. On était pas mal. On était à un niveau de lag aujourd'hui, ben là on est à 20 FPS, hein. On est à 20 FPS alors qu'on part du dépôt. On est sur quelque chose de pas très... Bah, c'est insane comment ça lag, comme on dit, hein. Allez, c'est parti parce que là c'est pas le tout, mais le matin, bon, c'est une chose d'être à la bourre, hein, mais le soir tu te fais engueuler, hein, parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Les gamins ils vont arriver, ils vont rater Inspecteur Gadget. Qui c'est qui se fait engueuler s'il rate Inspecteur Gadget? Eh ben c'est Bibi. Hein, parce que non seulement les gamins ils sont pas contents, les parents ils sont pas contents parce qu'ils se disent est-ce que mon fils il est là, il est pas là. Voilà, tiens, il y a Vianney, il a fait une chanson là-dessus, il savait pas où il était revenu son fils. Bon, ben voilà. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Ben moi, il y a Gulli qui me tape sur les doigts, ils ont plus leur public, tout ça. Non, mais ça va pas. On peut pas se permettre d'être à la bourre le soir. Donc le soir, il faut être ponctuel. Donc on va se sortir les doigts du derche, hein, et on va rouler à 40 km/h au lieu de 30 afin d'arriver dans les temps. Je fais mon petit calcul, grâce à ça, je pense qu'on arrive dans les temps. Voilà, petite astuce comme ça. Voilà. Allez, officiellement sur la ligne, on est censé passer au terminus ici, ça sert à rien, mais on va aller directement au départ. J'ai décidé que maintenant, nous fonctionnions ainsi, voyez-vous. Hop. On va juste s'arrêter sur le côté ici, deux petites secondes. Eh, ça c'était pas bon, ça. Voilà, on va s'arrêter là deux secondes, parce que faut quand même qu'on active, hop, ceci, et la petite girouette, si ça marche, hein. Alors si elle marche, j'en avais deux, peut-être pris le mauvais, bon, j'ai dû prendre celui qui était avec la buse, on a pris la buse, eh bien écoute, mon petit Zizi, t'abuses, excellent ça, excellent. Ah mon dieu. Ah les vrais d'hommes si deux comprendront. Oh d'ailleurs. Petit truc qui me traverse l'esprit là, mais on va quand même se mettre au... Au départ, parce que les mecs ils mettent quand même trois plombes à monter. Hein. Et il y a encore les mamies jumelles là. Bon vous savez quoi, je coupe le moteur, hein, parce que... D'ailleurs ça c'est un truc. Moi dans mon... Dans mon collège, c'était au collège. Les cars ils avaient l'obligation de... Oh. Ils avaient l'obligation de couper leur moteur quand ils nous attendaient. Parce que sinon, ça faisait machin, pollution, les gamins, machin, les poussées, tu sais, voilà. Choper un cancer des poumons à 15 piges, merde, voilà, ça fait chier, machin, ça fait du trou dans la sécu. Donc on coupe les moteurs. Ah, c'est bien normal, ça se comprend. Et voilà, c'était juste la petite anecdote. Petite anecdote. Hop, ben voilà, ils sont moins nombreux le soir, hein. Je crois que
Il y en a deux ou trois qui n'ont pas survécu à la journée, là. Alors, on est comment niveau timing? Parce que je suis peut-être... Bah oui, je suis en avance. Hop. Oui, alors ça, machin. Voilà. Hey, je me disais aussi. Je me disais. Ah non, mais il y a un certain taux de mortalité à l'école, mais à ce point-là, quand même, faut arrêter de déconner. Hein? Il y a une épidémie de varicelle, c'est pas possible. Oui, bonjour. Demandez des tickets. Moi, si vous voulez, je vous mets 40 tickets, vous vous servez, vous payez pas. Comme ça, vous me laissez tranquille et moi, je peux aller travailler. Mmh, merci. Allez. D'ailleurs, je sais pas chez vous, mais moi, l'écart scolaire, jusqu'à il y a quelques années, hein, je devais être en... Je sais pas, en... Je crois que c'est quand je suis rentré en seconde qu'ils ont commencé à en avoir. Et ça a concerné toute la vie, du coup, même les collèges et tout ça. C'est que quand j'étais... Alors du coup, attends, parce que quand j'étais en seconde, c'était il y a quoi? Il y a 4 ans, un truc comme ça, 4-5 ans, tu vois. Il y a qu'à partir de ce moment-là qu'ils ont eu des girouettes. En scolaire, on n'avait pas de girouettes, sinon. Voilà. Je te démerdais. Hein. Mais t'avais pas de girouettes. J'ai une porte ouverte, là. Hein. Eh oui. Eh, hey. Hey, c'est la semaine prochaine, les portes ouvertes, mon gars. Tu vas te calmer. Voilà. Ah non, mais le gars qui est pas mal. Le gars est pas mal. Niveau règles de sécurité, transport d'enfants, tout ça. Non, on est bien, ça passe. Ça va, tranquille, frérot. tranquille. Pas du tout. Petite anecdote à ce propos, d'ailleurs, mais j'avais dû déjà vous la raconter, je pense. C'était quand j'étais petit, puis c'était avec un vieux chauffeur, tout ça. Maintenant, il est à la retraite, tout ça. Donc, voilà, la prescription. Ah, et puis, il était vieux de la vieille, hein, à l'époque. Il n'y a pas de sécurité, hein. Déjà, je sais pas si à l'époque on avait dans le cas en question, je sais pas si on avait des ceintures de sécurité. En tout cas, on devait pas les mettre. Ah, petit problème de vitesse. Voilà. Je crois pas qu'on en avait. Je crois pas. Je sais pas. Enfin, c'est vieux de la vieille ça. Hein. J'étais à l'école primaire là. Pour vous dire. Hein. Ça remonte à il y a quelques années, le mec il a quand même 20 piges dans quelques mois, hein, donc voilà. On était en Erisbus, récréo, le vieux de la vieille, le même que celui-ci, avec le vieux chauffeur, le vieux de la vieille, premier modèle également, hein, le chauffeur. C'était pas la version facelift, hein, là il était... Il avait, comment dire, une bonne tranche de paillasson, quoi. Et le gars... On avait... Ça, je crois que c'était quelqu'un qui avait dépressurisé les portes en montant, donc il avait fait... un joli bouton rouge sur fond jaune, hein, on va voir ce que ça fait. Hein. Bon, alors évidemment, bon, moi c'est tout droit. Évidemment, à l'époque, on n'était pas ouf hein, sur les voyants qui indiquent qu'est-ce qui se passe, etc. Message sur le tableau de bord, c'était pas trop ça, tu vois. On n'avait pas trop. Donc le chauffeur ne savait pas ce que c'était, non. Pourtant, un vieux de la vieille, il devait connaître l'astuce, hein, mais bon, non, il avait pas envie, je crois, et il voulait pas la connaître. Et du coup, les portes ne se refermaient pas, mais on pouvait les fermer à l'arrière, hein. Du coup, elles étaient dépressurisées, c'est-à-dire, c'était tout flasque, quoi, c'était comme un flambi, la porte. Ils pouvaient la... Voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, il a trouvé deux volontaires, deux mecs, allez, toi, t'as une bonne gueule, toi, viens. Voilà, plutôt aussi. Vous allez vous foutre dans les escaliers, c'était la porte arrière. Vous foutez dans les escaliers et puis vous tenez la porte. Hein. C'est-à-dire que à 80 sur la nationale, hein, c'était 90 à l'époque, mais non, c'est en route, il était un peu vieux, hein, il roulait pas à 90. À 80 sur la nationale, oui, alors là, j'ai des armes partout parce que j'ai une réunion. À 80 sur la nationale, vous allez me tenir la porte comme ça, et puis si vous la lâchez, vous vous barrez avec, mais bon, du coup, essayez de pas la lâcher, quoi, ça serait con. Voilà, c'était un peu l'idée de ce qui se passait. Et c'était... ceci, moi, ça m'a marqué, ça. C'est resté dans la tête. On est totalement nul niveau FPS, là. Mais cette map, n'y jouez plus jamais. Ne jouez plus jamais à ce jeu, de toute façon. Il y a que trop. Il y a que beaucoup trop. Mais j'ai plus de crash en ce moment. Et j'ai des lags. Enfin, bref. Ça pour vous dire que on n'a pas la même notion de sécurité à l'époque et maintenant. Hein. Voilà, j'ai connu pas mal de péripéties entre toutes mes années de scolarité, là. J'ai pris... où j'ai pris le bus, le car, le machin, hein. J'avais pas Manfred hein, pour me conduire, mais bon. J'ai connu pas mal de choses, et je peux vous dire... Alors ça, c'est votre train qui arrive, alors il faut pas qu'on se traîne trop non plus, tu vois.
pas du tout qu'on se traîne trop. Donc là, il y a la partie nord de la gare, et puis nous, on va faire la partie sud, hein, qui est de l'autre côté. C'est pas gare du nord, gare du sud, hein, c'est vraiment la partie nord et la partie sud. Il se bouge le derche, le train, là, il fait quoi, là? Mec, t'as cru que t'étais en alerte pollution, là, tu peux te dépêcher. Hein. Ah non, mais il est tout là-bas, il se fout de ma gueule. Il est fou de ma gueule, toi. Bon, mais j'attends. Et donc, ben voilà, petite info comme ça pour mettre les choses à plat, hein. Y a personne qui est tombé avec la porte. Hein. Voilà. Tout s'est bien fini. Le chauffeur n'a pas été dénoncé. Et voilà, tout s'est bien passé. Mon dieu, c'était une belle histoire. Putain, c'est... Franchement, je suis un compteur hors pair. Hein. Bon les gars, non mais sérieux là, les barrières, faut arrêter de déconner au bout d'un moment. Mais dites pas qu'il y en a un autre, hein. Un train peut en cacher un autre, un train peut en cacher un autre, d'accord, mais bon. J'ai quand même un petit timing à respecter, tu vois. Je sais pas si vous connaissez, hein, mais bon. Bon allez, on va passer après. Là. Voilà. Ah non, parce que moi je veux bien, hein, mais bon. Après, moi je vais me faire taper sur les doigts par le patron, hein, etc. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Alors, on peut foutre des gosses qui tiennent la porte, mais on peut pas arriver à la bourre. Hein, voilà. Je suis sûr que s'il y a un vrai chauffeur dans le chat, là, il va être trop choqué par mon histoire. Dans le chat, dans les commentaires, vous m'avez compris. Ça fait deux fois que je dis la connerie dans la vidéo, mais c'est pas grave. Et donc voilà. Et là, donc c'est la régionale Banoff, mais côté nord, non sud ici. Voilà. Côté sud. Hop, qui est juste là. On peut pas passer avant la voiture, ça va être un peu short. Hein. Je vous l'avoue. Ah ouais, c'est ça, il y avait un autre train qui arrivait, quoi. Eh bébé Coco, il s'est barré sans vous. C'est bête, va falloir attendre le prochain. Allez, hop. On va vous laisser là-bas, bien tranquillement. Voilà. Hop, on va vous laisser là. Hein. On part là-dessus, ça vous va? C'est très bien. Je vous laisse au même que ce matin. Ben voilà, il est là, le chubus. C'est pour ça que j'avais pas vu ce matin, là. Hop, attendez, je vais pas vous laisser devant le panneau. Hein. Pas cool ça. Hein. Voilà. Allez, bonne journée mes petits passagers. Bonne journée également mes petits abonnés. Hein. J'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. On se laisse là-dessus. Le lien de la map, etc. C'est sur le site. Sauf si j'ai oublié, mais du coup, faut me le rappeler. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like si ça vous a plu. Un commentaire si vous avez des questions, des remarques. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao à tous.